Je vais vous passer un enregistrement en berbère. C'est du tachelhit, le dialecte marocain le plus répandu. Et vous allez écouter pour prononcer correctement les voyelles du berbère, parce que je ne suis peut-être pas le meilleur. مرين نووال أمازيغ بركات درنا غسلن أمازيغ نسوس تشلحيت تفسير تمز ورد Cette première leçon sera pour vous une aide précieuse pour acquérir les particularités phonétiques du tachéri. C'est une leçon de base qui vous habituera à prononcer les consonnes et les voyelles de cette langue. Nous vous conseillons de consulter cette leçon avant de vous attaquer à chaque nouvelle leçon. Voici quelques caractéristiques phonétiques de tachéri. Les voyelles. Agares. Erguez. Etei. Emi. Itri. Izi. أودن أخسان أفونس أغرو لي كونسون إبدا إفوس دو جب فلوس إمي إجنا تسي تو أيس Il ne faut pas confondre les mots suivants. Écoutez et répétez. Grou, grou. Emi, emi. Sli, sli. Ks, ks. Tisi, tisi. Adar, mdi. Azor, Hamz, Izi, Zo. Il ne faut pas confondre les mots suivants. Écoutez et répétez. Ndi, Ndi, Eden, Adam. بدو بدو أزور أزور إزي إزي زو زو أكر أغري Oui. Khumma. Aqrab. Attention, il ne faut pas confondre les mots suivants. Écoutez et répétez. Petit. Petit. Ri. Oui. Voici d'autres consonnes. Zri. Rer. Aryul. Aura. Athrukh.
تخسيت قن قان حبو بودحانوز هادي عمي لعين تمثيل. Donc voilà l'enregistrement. Comme vous pouvez le noter, la prononciation est assez compliquée. Il faut éventuellement connaître un locuteur de la langue pour apprendre avec lui ou côtoyer des berbères dans un contexte relatif, un dépaysement en fait. Il faudrait pour apprendre correctement la langue. Ce n'est pas pour les débutants que je l'enseigne, c'est vraiment pour les personnes confirmées qui souhaitent écrire leur langue en fait.